DS commercialise sa DS9. L'offre de la berline haut de gamme comprend une motorisation essence et deux hybrides et rechargeables allant jusqu'à 360 chevaux. Deux finitions, on lit, sont proposées au lancement au mois de juin 2021. Les tarifs sont ainsi contenus à moins de 70 000 euros. Une offre de moteur réduite DS propose sa berline en deux versions hybrides et rechargeables de 225 et 360 chevaux. Fabriquée exclusivement en Chine, où elle est déjà disponible en concession, la DS9 sera donc proposée en Europe, avec trois moteurs. Au plus exactement avec deux groupes motopropulseurs, un bloc essence développé de 225 chevaux, et un système hybride et rechargeable décliné en deux puissances, 225 et 360 chevaux. La petite version hybride est identique à celle proposée dans la Peugeot 508 hybride avec un thermique 1.6 PureTech de 180 chevaux associé à une machine électrique de 110 chevaux. L'ensemble est associé à une boîte automatique à 8 rapports, EAT8. La version la plus puissante reprend, quant à elle, la technologie développée par Peugeot Sport pour la 508 PSE. Le 4 cylindres essence de 200 chevaux est associé à deux électromoteurs, 110 chevaux à l'avant et 113 chevaux sur les et. À noter qu'aucune version diesel n'est proposée et que la version hybride et rechargeable de 250 chevaux annoncée lors de la présentation de l'auto au printemps dernier, arrivera à partir du début 2022. Les prix de la nouvelle berline haut de gamme française débutante à partir de 47 700 euros pour culminer à 69 400 euros. Fabriquée en Chine, la DS9 sera disponible en concession à partir de juin 2021 et les premières livraisons interviendront au mois de septembre. La version de 360 chevaux sera déjà proposée à la commande, n'arrivera en livraison que début novembre 2021, en raison d'une adaptation du moteur électrique sur l'essieu arrière dans un atelier de DS Performance. Yvelines à Poissy, alors que la voiture est fabriquée en Chine. Une dotation très complète d'entrée de gamme. Les disques de freins de la DS9 Eutense 360 chevaux 4x4 sont plus grands, 380 mm, au lieu de 330 mm. À noter que certains équipements sont spécifiques à l'offre hybride et rechargeable et sont proposés, quelle soit la fin, chargeur de 7,4 kW pour une recharge plus rapide de la batterie, câble mode de monophasé 1,8 kW, 8A, pour recharge sur prise standard et câble mode 3 monophasé, 7,4 kW pour recharge sur wallbox et chargeur public. Pommeau de levier de vitesse avec embossage signifie l'emblème Eutense. Fonction freinage régénératif. Préchauffage du véhicule depuis un smartphone ou bien depuis l'écran tactile 12 pouces. LED indiquant une utilisation du véhicule en mode 100% électrique. Menu spécifique Eutense dans l'écran tactile 12 pouces pour optimiser les performances énergétiques. Fonction E-Save. Calandre surmonté de l'emblème Eutense. Suspension de balayage actif DS. Signature Eutense sur le coffre. Plancher de coffre avec zone de rangement intégrée pour le câble de recharge. Trappe de recharge électrique étanche côté gauche. Toutefois, quelle que soit la finition choisie, seuls 5 coloris sont proposés, blanc nacré, gratuit, gris Hortense, 1000 euros, noir perlanera, 1200 euros, bleu midnight, 1200 euros, et cristal pearl, 1300 euros. Rien de plus. DS ne dispose toujours pas de personnalisation départementale. Ligne performance plus, habillage en alcantara noir. Pour la finition performance Line Plus. Aide au démarrage en côte, aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul, accès et démarrage de main libre, banquette arrière modulable 2:3, 1:3, boîte à gants réfrigérée, chargeur à induction pour téléphone portable, climatisation automatique Bizone, compteur numérique 12 pouces, commutation automatique des feux de route, contrôle de stabilité de l'attelage, DS Vision Active LED, éclairage à LED, éclairage d'accueil à l'ouverture du véhicule. Écran tactile 12 pouces avec commande cristal. Feu arrière 3D, avec clignotant à LED à défilement, frein de stationnement électrique automatique, freinage d'urgence automatique jusqu'à 140 km par heure. Intérieur Alcantara noir. Jantes alliées 19 pouces Monaco. Jantes alliage 20 pouces Munich. Sur motorisation Eutense 4x4 360. Kit de dépannage provisoire. Vitres électriques avant et arrière avec fonction anti-pincement. Écran miroir. Montre BRM 180. GPS. Pack siège arrière confort.
pack siège avant électrique haut de gamme, palette au volant, pare-brise teinté acoustique, pavillon de toit noir perlanera, pédalier et repos-pied en aluminium, poignée de porte affleurante, attelage de prédisposition, deux prises USB aux places arrière radio numérique, rétroviseur extérieur électrochrome point rabattable électriquement et indexé à la marche, arrière avec éclairage à l'approche, rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, siège avant chauffant, système audio analogique à 8 haut-parleurs avec prise USB et Bluetooth, vitres latérales arrière surteintées, vitres latérales avant et arrière feuilletées, volant en cuir gainé perforé et coussin d'airbag gainé de cuir, volant réglable en hauteur et en profondeur, Rivoli plus en plude, performance ligne plus, habillage en cuir. Sur la DS9 Rivoli plus vision 360 degrés, suspension de balayage actif DS, aide à la conduite DS, surveillance de l'attention du conducteur DS, intérieur cuir noir basalte, jante alliage 19 pouces Versailles, pack DS sensorial drive, siège avant, massant et ventilé. Sur la finition Rivoli plus, DS propose la possibilité d'opter pour une ambiance opéra. Si l'offre Rivoli plus reçoit un habitacle en cuir noir basalte, elle peut également disposer d'une ambiance opéra rouge rubis. La somme de 4950 euros telle sera par la suite disponible en noir basalte. Cette ambiance comprend un cuir nappa étendu, y compris sur la coiffe de la planche de bord, mais également quelques équipements spécifiques, comme 4 sièges chauffants, ventilés et massants. Au rayon des options, notons le système de conduite semi-autonome Drive Assist avec vigilance du conducteur. Sur la performance ligne plus 1550 euros, ainsi que, pour les deux finitions, le système IFI Focal Electra, 1200 euros, le pack Night Vision, 1700 euros, pour les deux finitions.